crois que c'est ça. Du coup, pourquoi est-ce que... Genre, ça sert à quoi que je fasse la quête pour avoir ça? Pourquoi directement il m'a attaqué et il a fait que je me batte, sachant que j'avais ça? Je peux comprendre pourquoi Mog il m'a attaqué. Hein. Ou alors c'est pas le même Mog. Il y en a plusieurs. Bon, il nous reste un endroit à faire. Ah donc il y a peut-être... enfin no spoil. Alors, si je viens de faire un truc qui sert à rien... Voilà quoi. Il nous reste un endroit à faire qu'on n'a pas visité. Un trou où on n'est pas allé. Et on n'aura plus besoin de revenir dans ces putains de souterrains de merde. Oh là 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 là, mais putain, ce truc là aussi. Niquez vos mères, laissez-moi jouer. Putain, mais j'ai pas le droit de jouer. Je sais même pas qui c'est, Yeta. Je crois que j'ai jamais vu de meuf aveugle encore. Non, ça me parle pas une meuf aveugle, hein. Mais putain! Mais j'ai jamais croisé quelqu'un qui veut manger des fruits. Ça me parle pas. Je viens de perdre 30 000 runes sur des putains de gobelins de merde que j'ai passé tranquillement la première fois. La première fois, je les ai démolis. Mais genre, je suis passé dessus, je leur ai roulé dessus, et là, ils viennent de m'atomiser deux fois de suite. Et du coup, j'ai perdu 30 000 runes. Bravo, GG Wellplay! T'es encore plus nul que tout à l'heure! Je savais même pas que c'était possible.
Bientôt lui. Mais c'est pas possible. Je l'ai fait tranquille tout à l'heure, putain. Pourquoi j'y arrive plus? J'en ai marre de ce jeu. Genre moi, mon arme, elle tape contre les murs. Mais la leur, non, quoi. Et il revient à l'infini, lui. Mais c'est abusé, ça aussi. Je crois qu'on était pas de ce côté-là. Si, on avait suivi le rat, justement. On n'était pas de l'autre côté. Ah, donc il reste deux chemins en vrai à explorer. Je pense pas essayer de me perdre, toi. Thank you.
Ok, c'est, je vois où je suis. Tout ce chemin-là, c'est fait. Donc là. Tac, première intersection. Pierre de forge 8. Ce chemin là, c'est fait aussi du coup. Non, c'est bon, c'est fait. Ok, donc il ne reste plus qu'un truc à faire. Le last, le dernier. Je pense va nous emmener au homard et je vais encore péter un plomb. Tendu là. Ok, bah c'était la suite. Ah ouais, mais attends, je suis pas dans le bon trou en fait. C'est ça que je suis en train de me dire là. Ah, ça l'a même pas étourdi un petit peu. Ah, mais là, le gros, je fais comment? J'ai que de la chair.
J'ai que de la chatte, c'est abusé. Merci Wayosh. Ouais, j'en utilise ta part. C'était pas un trou là qu'il fallait que je me laisse tomber. Je sais que c'était là. Moi je m'étais laissé tomber ici. Là il y a un gros rat. Il se bloque aussi. Ce trou là il descendait juste là. Oh mais ça me perturbe cette histoire du coup. What? Bah, là, c'est bon. Parce que là, il y a genre 2 secondes. Je me raccroche à la vie. Et merde. Comment je descends là? Du coup. Comment je descends ici? Parce que j'ai jamais fait ici encore. Peut-être juste en me laissant tomber sur le tuyau, ça suffit. Du tuyau du premier étage. C'est incroyable. C'est vrai, ils sont vraiment incroyables ces gobelins. Mais je peux pas tomber sur le tuyau qui est en dessous. Je descends. Ah, peut-être ce tuyau-là.
fait, celui-là, ça peut passer. Je me débarrasse de lui. J'ai une main derrière moi. Non, je pense que je die aussi. Hein. Ok, j'ai fait de la grosse merde. J'en ai un gros beaucoup trop. Non mais alors là. Ah c'était pire que tout. Mais toujours plus. Je meurs. On va utiliser un item qu'on a encore jamais utilisé. C'est trop. Un peu quand même. Ah ça passe. Voilà, merci les pierres arc-en-ciel. Première fois que ça me sert vraiment. Par contre, il y a un homard en bas quoi. Ah le bâtard il m'a détecté direct. Ouais, c'est bon. Je vais me barrer d'ici, ça sert à rien. Trop nul, je suis trop mauvais, je vais même pas enlever 10% de sa life, je vais me barrer. Ouais. Je suis pas du tout sur Elden Ring que j'ai le niveau mental et de skill pour le faire à 100%. Vraiment incroyable.